Nous venons de terminer le processus d'élection, d'abord d'installation, d'élection du maire, des adjoints au maire, des chefs d'arrondissement. Je puis vous confirmer que le maire a été bel et bien élu conformément aux dispositions de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral de la République du Bénin. Et ça s'est passé dans une ambiance de convivialité. Les adjoints au maire ont été élus, ainsi que les chefs d'arrondissement. Tout s'est bien passé. Le nouveau maire de la commune de Zanilando, fraîchement élu, s'appelle Kanekbo Justin. Il est assisté de deux adjoints. Tous les chefs d'arrondissement ont été également élus. Et donc, nous ne pouvons que remercier les conseillers communaux de Zanilando pour le sacrifice consenti afin que nous ne parvenions à la fin de cette procédure. On est en élection, il ne peut pas avoir de l'unanimité nécessairement. Mais ça s'est bien passé. Alors, mes premiers mots, c'est de rendre gloire au Seigneur. Alors, celui qui m'a créé, je lui témoigne toutes mes reconnaissances cet après-midi. Et là aussi, j'ai vu que le pouvoir est vraiment d'essence divine. La priorité, sinon les priorités qui sont les nôtres pour la commune de Zanilando, c'est d'avoir le bien-être de toute la population de chez moi, Zanilando. Nous allons tout faire pour mettre nos pas dans les pas que pose le président Patrice Talon pour révéler aussi notre commune Zanilando. Nous allons tout faire pour que d'ici quelques années, Zanilando soit effectivement révélé. Donc, nous allons faire un combat farouche contre ceux qui minent le développement de cette commune qu'on appelle la pauvreté. Nous allons tout faire. Nous allons taper à toutes les portes pour que d'ici quelques années, qu'on nous classe parmi les meilleurs des communes de la République de notre pays.